many, many projects, interesting projects in the field of animal mediation in France, but we have detected that most of them are a bit invisible. There are local, little local projects that are very, very valuable, but that most of the people are not aware of. With this Pelagouger, we are very interested in knowing what are the best projects in France. Ce qui m'a motivé à piloter le jury de cet appel à projet, c'est que les actions associant les animaux, la médiation animale comme on l'appelle en France, ne sont pas encore assez connues et acceptées par le grand nombre des institutions, des entités, des individus qui pourraient en bénéficier. Et donc je pense que c'est très important qu'une fondation comme Affinity, qui a une certaine envergure, puisse se positionner comme un soutien fort. Mon projet est de la thérapie assistée par l'animal au sein d'un pôle d'activité et de soins adaptés en maison de retraite. J'interviens dans une unité fermée qui accueille des personnes âgées atteintes de démence Alzheimer ou type apparenté. On les accueille à la journée. On propose des activités ludiques et thérapeutiques pour justement leur proposer un environnement adapté, sécurisant, rassurant. Notre association s'appelle Les Animaliens, donc elle a été créée en 2014 et elle est à Calais, dans le nord de la France. Il s'agit d'accompagner une équipe éducative et soignante dans leur accompagnement scolaire pour des enfants qui sont handicapés, mais qui sont scolarisés en milieu ordinaire. Les animaux qui travaillent avec nous, ce sont principalement des chiens qui sont éduqués spécifiquement. Mon projet, c'est d'aller en prison, en fait, dans la maison d'arrêt des femmes de Nantes, avec mes chiens. J'y vais pour travailler avec les femmes incarcérées sur, entre autres, la prévention suicide. On va essayer d'activer des pulsions de vie à travers la présence des animaux. Nous sommes un centre de soins, un centre médical en fait, qui prodigue des soins aux patients victimes d'événements traumatiques. Et on s'est dit que, voilà, qu'on allait créer un projet thérapeutique avec un groupe, des groupes de patients qu'on emmènerait sur le lieu de vie de ces animaux, donc dans ce refuge, pour créer un lien entre cette population d'animaux en souffrance et cette population d'humains en souffrance. Wonderful to get to know all the associations in order to find the best partners to do something together and to make it big together. Ça va me permettre de travailler d'une autre façon avec ma chienne et d'ouvrir de nouvelles portes pour mes patients. Donc je pense à mes patients et je suis très contente pour eux en fait. Pour nous c'était vraiment une grosse aubaine parce qu'on avait rencontré plusieurs fois les professionnels du CESAD et on ne trouvait pas de financement pour les accompagner. Quand on est reconnu par des gens comme la Fondation Affinity, et ben ça fait du bien et puis ça donne envie de continuer. Très très soulagé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir du coup avoir les moyens de mettre en œuvre notre projet.